nous allons passer à l'étude du texte lui-même. Donc en ce qui concerne le premier vers, le premier verset du texte après le titre ou l'introduction, il parle d'être libre de tout, tous les agrégats. Et le vers racine lui-même dit « Libre de la dualité du sujet et de l'objet lié aux agrégats, aux domaines et aux sources de perception, eux-mêmes dénués de toute existence réelle, les choses n'ont pas de soi et en cela sont égales. » Donc la première ligne réfère au fait d'être au-delà de tout ce qui est les domaines de moins beau, donc des choses substantielles. Et cela, ce premier verset vise à réfuter les vues des tirtikas, c'est-à-dire les différents aspects tenants de la philosophie hindoue, dont la caractéristique principale est de postuler l'existence d'un soi, ce qu'ils appellent l'atman, qui constitue l'entité ultime de l'individu et qui est autre ou séparé des agrégats qui rassemblent le corps et la conscience. En effet, ces tirtikas, dans la plupart, acceptent l'idée d'existence successive. Ils ont en plus la notion d'un créateur qu'ils appellent de différents noms, que ce soit Ishvara, Brahma, Vishnu ou autre. Mais après que la création se soit produite, il y a donc une succession d'existences avec des actes divers
dont les résultats engendrent des karmas. Et par contre, ils raisonnent en se disant, les agrégats corporels ne vont pas bien sûr se perpétuer d'une existence à l'autre. Donc, pour qu'il y ait renaissance, il faut qu'il y ait quelque chose, une entité qui existe en elle-même, par elle-même, et qui assure cette continuité de l'individu d'une existence à l'autre. D'où l'idée de postuler cet Atman ou le soi. Et donc, c'est la façon dont ils expliquent les choses, et ici, ce que fait ce premier verset, c'est réfuter cette existence, que certes, il y a un continuum de conscience, d'expérience qui se perpétue, mais par exemple, la perception intuitive, moi-même j'ai 81 ans, donc j'ai ce sentiment que c'est moi qui maintenant est passé de l'âge jeune à être une personne âgée, mais ce qui s'est poursuivi, ce qui s'est maintenu, c'est la continuité de l'expérience de la conscience, et non pas, comme le pensent les tenants de la tradition hindoue, un Atman séparé, isolé, ce que la philosophie du bouddhisme nie. Dans le Pumukam de Tijetan, Sundu Zimba, ces années, tellement déniché qu'il y avait. Tadika
다 되면 되니 강사가 담에 맞아 쉬이 담에 쉬이 요 강사가 담에 아 다소가 해도 대학이 강사 아니 되베 자유스러네 풍부로 왕중행기 나 저것도 없지 로리 아시아 되기도 와 내일 내일 삼십 안 주지 무슨 왕중행기 나지 로리 시험도 와 된대기 나 지 저것도 저것이 잘 된게 말이 全球的对个人，我定的是通过女性的打了对了的是，打的女性的对了嘛的是，加上把女性的往前面给打，就人家我老去打，那就落了下地啊，地好嘛的是，看上人家就是在于动画是，等这的看上个大面，谁要的？等这个看上个大面，地光的，快了特别的是，看的时候呢，快了快呀的。Kanada tene jyoti Dungi dhe bada kunju dhenben jawa Eni gode lamdeng namshati Dong shi tsardan subi kudu ka tene yana chungi tere Kada tene yana chungi ngama ngama La tene chima chima yunga ki kohan chubi shima Mariko dhona duji dhona Duji dhona eni gyudu yu namshin dhoa chay Dugu sene eni nyingsam jari dhoa chungi yu yu zane Eni kohan dhokwe shima chay Tende yama chungi chukto niyu tuane Eni kohan chukto chaya di Dehe sungduwa Santini yinu zane Dehe mariko di Kasa ranjan tuwe zayudu zimba Zimba di mariko di shiwa yore Sive zao tome mariko di shiwa yore Chazanga di bongje di Kasa ga dami di kone Oda de Eni Tawa toto re Di sungi yore Tata san zambe Da usun yigi chayidami sukiyari. Eni chayidami sisane da kansa khana tene da kwe pungso gu chö. Di di chö da kansa nisi chö, chö di dili. Dindi yigi pungbu, eni dame wazum du mase. Eni chö di, pungbu jiji yigi chö di yigi, eni dame wa rei sene. Kare sarana, Ma wo nyan ge lo digi da yo na li xian du shi da xin xian li zi de dang xe ni cha ma nang zi na su wa na xin xe ni Ma wo nyan ge lo shu cha gu digi rang xo zi xian xo cha ane rang xo la cha xian xo la dang xe ni cha dang du shi digi yo li wa da di di yin zi zan ni wa din zi yu ta ni wa pen da yo li zi pen da yo li di yin ni da da man zi xe ni qi su su 苏州的说过这一段话通呢的下界啊大啊一段话通呢是没几个字啊刚才那一段话通呢是呢唐都人吧这个都是这个啊对吧唐都人这个没这个通呢是呢没这个这个说过了这个过用这个都好是真正的呢真正的其实呢苏州的说过了一段话的名话了 Mingne Tangdu Lembe Lota Tangdu Milimbe Mindubu Gyabji Shogol Loti Liya Kansaga Da Yomar Saati Degzi Pingu Yomar Shazanga Mige Kansa Da Nego Sam Kore Yine Migje Yu Di Yedi Da Nego Chi Sam Tang Tuna Mato Yugu Minduwa Sine Da Chuyi Dami Shiki Yore Da Chuyi Dami Ado Sam Zambe Ado Chuyi Dami Di 我的的苏州的所谓七六个区当时在呢哎呢对对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 对
믹식 로디야나 믹셰 쳬디 아레스 믹식 로디 가소나 믹셰 쳬디 샤스 마레스 저상도 맞으디 아다 체지 미국 예베 칠 로다 달로 샤마 예사다 따다 로디 건너스 샤디 샤디리 이르
chidun kaane. Chidun kodan de, chidun paaduk stakun sana nigimdu waas. Dende indu sani, zinji lo de la, shansam chishe maado, chidun tanju chuk yao maares. Dende indu maanzo lo lo chidun tanju chuk wa chik lo lo sha yungu yaare, sukta sin tuye chik sha ting yaare. De, ranzin tokwa da, zai tanja tong lo lo sha yungu yaare. Oda di chwe yidang zinis. Oda, de, son, chik sukta lo sobo di yin di, Ani nang zimba da zai chik lo yao desu, zimba di yana di di sha, zimba di gao su na di di mewa yin zane, kuni sung zin zai shen ma re, zai chik re. Zai zangka ngaran zolo la, sunga sika yin zong zu yam chik, pujo di, sha di, tenzin di, nang zinji ki sheba da zai chik lo yao, zai ta de ba dong re, oda sung zin zai shen yi dong ma se agi, shen yi dami di sha re. Ti yodoa, da 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 chibi, kansa ga dame di yewa shisha chi, kansa ga dame ki gomne, maa zaya gulo di shuk chung chik da. Tene sukru su chiru chwe di di, renzin tongwe, chik nangcha zangshe ma do, chi chung chuk yaw ma shi zane, teda la shen cha di di shuk chung chung sarwa. Oda, chwe yi dame, Le deuxième verset qui dit donc en fait dans la traduction française l'ordre est un peu inversé. Ce deuxième verset se réfère à la liberté par rapport à la dualité du sujet et de l'objet lié aux agrégats et aux domaines et aux sources de perception. Alors tout d'abord, quand on envisage les agrégats et les sources de perception, l'on rentre dans le domaine de la philosophie bouddhiste, donc qui vont toutes réfuter l'existence d'entités soit individuelles, soit les entités liées à l'ensemble des phénomènes, et ce, graduellement. Donc, si l'on regarde, en ce qui concerne la réfutation de la notion d'un individu qui existerait en lui-même, de manière substantielle, on trouve cette réfutation dans les deux premières écoles philosophiques du bouddhisme, à savoir les Vaibhashika et les Sotantrika. Et parmi cette deuxième catégorie, il y a ceux qui sont fondés principalement sur les textes et les écritures. Alors donc parmi les 18 différentes branches de ces Sotantrika, il y en a une qui n'envisage pas directement la non-existence du moi, du soi individuel. Sans doute parce que l'idée est un peu à cheval entre les deux traditions, l'hindouisme et le bouddhisme, et l'idée de se débarrasser totalement de ce moi individuel n'arrive pas, dépasse leur conception, ils sont effrayés par cette idée, et donc ils en parlent comme d'un soi indescriptible sur lequel on ne saurait rien dire. Alors certains disent qu'ils ne sont pas vraiment bouddhistes, mais en fait c'est une catégorie du bouddhisme, mais disons c'est les vues les plus élémentaires de cela. Alors ensuite va venir donc la réfutation graduelle de différents aspects de l'atman ou du moi ou du soi associé soit à l'individu, soit au dharma, au phénomène en général. Alors, en ce qui concerne les Sotantrika, ils vont réfuter l'existence d'un moi, d'un individu grossier, c'est-à-dire au niveau d'une sorte d'individu qui existerait comme une unité substantielle, mais ils acceptent néanmoins comme vérité ultime ou l'existence réelle de deux choses. D'une part, quand on déconstruit le monde des phénomènes matériels, ils acceptent l'existence de particules indivisibles, et dans le domaine de la conscience, donc ils vont de plus en plus en détail dans la conscience jusqu'à accepter l'existence d'instants
de moments de conscience instantanée qui, selon eux, existent bien en eux-mêmes. Et leur raison de postuler cela, c'est qu'ils se disent, afin que la réalité grossière se manifeste, il faut bien que ce soit l'accumulation de quelque chose. Et donc, il faut bien qu'en fin de compte, il y ait ces particules indivisibles dont l'agglomération va finir par faire la réalité, la réalité solide, de même que le flot de conscience ne peut exister que s'il y a des éléments, des moments de conscience qui existent en eux-mêmes. Ensuite, lorsque le ver parle de la liberté libre de dualiter sujet et objet, c'est maintenant qu'on en vient à la troisième de ces positions philosophiques, celle de l'esprit seul, ou du citta mantra. Alors eux disent que lorsqu'on regarde maintenant non seulement l'entité du soi individuel, mais de l'ensemble des phénomènes, c'est-à-dire les agrégats ou tous les éléments sur lesquels se fixe ce moi individuel que l'on a réfuté, et ils vont réfuter aussi plus profondément l'existence d'entités existant au niveau des dharmas, c'est-à-dire des phénomènes. Ils vont examiner la notion d'une particule indivisible et vous dire, mais comment pouvez-vous dire qu'une particule est indivisible? Parce que si vous la prenez la particule la plus élémentaire, vous pouvez la considérer, la regarder ou l'imaginer de dans les six directions, c'est-à-dire les quatre directions cardinales en-dessus et en-dessous. Ce qui veut dire que d'un certain point de vue, elle a six côtés. Et donc si elle a six côtés, elle a nécessairement des parties, la partie est, la partie ouest, etc. Donc elle ne peut pas être indivisible, puisqu'elle a des différents aspects. Et si en revanche vous continuez à dire qu'elle est indivisible, qu'elle n'a pas de direction et de côté, comment quelque chose qui n'a pas de dimension pourrait-elle, en s'agrégeant, arriver à la réalité solide? Tout ça n'a pas de sens. Et donc, il réfute de la même façon, il semble que c'est ainsi qu'il réfute le moi ou le soi attaché à l'existence des phénomènes et des particules invisibles. Alors en effet, déjà, quand on voit d'où proviennent nos attachements, qui à leur tour donnent naissance à cette attraction et répulsion. C'est d'abord le sentiment « moi », et ensuite « mon corps », « mon esprit ». Et on s'imagine que le soi, l'entité personnelle, est en quelque sorte le seigneur, celui qui possède cet ensemble. C'est ça que réfutent en tout cas ces cellules philosophiques. Mais à mesure qu'on va plus en profondeur, on en vient à comprendre que en fait, les choses surviennent, les phénomènes surviennent par le jeu des 12 branches ou 7 éléments de l'interdépendance, et que si l'on veut mettre une fin aux souffrances, donc qui sont liées à la naissance, à la vieillesse et à la mort, il faut commencer en remontant dans l'ordre inverse ces 12 liens d'interdépendance, de trouver un remède ou un antidote au premier de ces liens qui aboutit en fin de compte à la souffrance et qui est l'ignorance. Et qu'est-ce que c'est que l'ignorance? De ce point de vue ici, il s'agit de l'attachement à cette notion d'une identité individuelle. Donc maintenant, quand on va aux deux écoles les plus profondes du bouddhisme, à savoir le Shitamatra et le Madhyamika, l'école de l'esprit seul et de la voie du milieu, eux vont aussi établir la non-existence des phénomènes en tant qu'entité. Est donc un antidote puissant à toutes les souffrances qui naissent de l'attachement à soi, de la répulsion d'autrui, attaché à tout ce qui semble plaisant et désirable, et repoussé ce qui semble indésirable ou adverse. Et donc, ne pas concevoir l'existence d'un soi individuel est pour ça, bien sûr, une grande aide. Et pour se débarrasser de ça, la seule manière, c'est de réaliser la vue du non-soi. Alors, en ce qui concerne l'école de l'esprit seul,
Donc eux réfutent les particules, l'existence de particules indivisibles, et de ce fait, ils disent qu'elles sont dénuées d'existence propre, et de ce fait, le monde extérieur n'existe pas dans la solidité telle qu'il apparaît, et la seule chose qui existe, c'est la conscience qui le perçoit. Et là, d'un certain point de vue, et donc ils disent quand la conscience cesse, le monde extérieur cesse aussi. De ce point de vue, on rejoint la physique quantique qui dit qu'un phénomène particulier s'actualise lorsqu'il y a une rencontre entre un observateur et un ensemble de phénomènes qui est encore indéterminé, et c'est cette rencontre qui va faire qu'une particule ou un autre phénomène va se matérialiser. Et en absence d'observateur, ce phénomène reste dans un état d'incertitude, c'est-à-dire non déterminé. Et donc là, on trouve des formulations tout à fait semblables à celles des Chitamatras. Donc en essence, pour éliminer l'attachement à l'identité des phénomènes, il faut se libérer de la saisie qui leur attribue une identité. Et pour cela, si l'on se libère également donc il y a cette dualité entre le sujet qui s'attache et l'objet de l'attachement, et si l'on se libère de l'attachement au sujet, l'attachement à l'objet disparaît naturellement. Et donc on voit cette progression qui est très utile, de commencer par réfuter ce qui est le plus évident, à savoir l'entité individuelle, et peu à peu, au travers des enseignements de l'école de l'esprit seul, réfuter également moi ou l'entité des phénomènes. Et pour eux, pour le Chitamatra, la vérité ultime, c'est la conscience non-duelle qui est au-delà du sujet et de l'objet.就是咱们念经的，然后是神的嘛，也不动不动就能行动，是甚至没得得不得，改掉的，都我们不能当下的。但，那么，甚至没从这里头想，修正主要嘛的是，甚至就是修掉的，甚至想往人生一种修掉的，真正意义上呢？ 추르게 대근 그리스 누그레스 저디디 인자네 마츠르 다메 냠니베스 디츠세데 거츠르 가서 입스 쇼드나 비시다 추 용조로 랑고 모즈베나 추스 제니 랑고 정신어 랑고 모즈베 샤데 추스로 대하기 간다 다 마타게 추 탐제 소어도 집에 집에 추 탐제 아니 뭐니 대버 중요 말레스 다 대벌 모르고 차니 인도산에 셔르 담이냠 니베 프랑스 선에 맞이 봤어 프랑스 선디 케브리 거리어레 에노 가소르 그게 심기다 양고 지기 데 가소르 그 데올로지 그 융그리 선상에 가서 저 때도 용대야 요레 이네 아 차라 차라 나좀 대가 마도 그 제외에는 러시아스는 많이 왔어 랑스인데 그 심칸의 총알에 심 파도 제외에는 아니 주수 붙잡았잖아 다다왔어야지 이해합니다 봐 다다왔을 때는 땀나 왜나 생주를 다다올라 도지 아니 디케이를 다다올라 도지 담바이나 그다 생주를 다다왔어야 돼 담바이나 디
century nangwa la past, present, future lama shimu su chi. Ti lama tong tu wari. Yang ku dikir dene past, present, tata wari. Wen mao ma si lama tong tu wari. Dikir lama chu diye tata wari lama tong tu wari. Yang di nang se ki last year and future present lama tong tu wari. Lo diye pa shabu tu siwi ne ya. Dindra ngama shimu tata wari lama tong tu wari. So, dili, ko tosu susul dene, demon shaba mado, ko rangzime chi miduga. Ta tadawa sayati, papapa to sang tamo yina, dawa, dun, sha, dene, shuzu, karma, karsa si yudu zane, karsa chik yenche di debari, karsa chik menche di maumbari, tadawa miduga. Tadawa mena, tadawa la tue ne deva de maungo sha gore, tue se tadawa ne de maungo sha kumara. Mare duwa, duu samta na. Tidhi yidu sa ne, ta gyuli ki sige ore, sim ngama gyuli, sim ta kaso kishi ngama sa ne mdo, ta sim gyuli ki vare sige ore, ki vare ti, ki ya ti, ta zao shi rung nara, shi wu shi sa wu yore, kishi, Gyūgūne tāwa yinā, tāle kīvare, shēle kīvare, gyūmīle kīvare, nīgale kīvare, sūwa chāyā na, zāni kīvē mūshā tāyā mērē chī. Kōrē, kēzhē mūmū kōrē, pā tāngshī chāyā na, chīk tu tūmē, o, chīk pā tēnsī kī tūks chāyā bā yinā, tātā wā tī shā tāyā mērē chī. Tā kēzhē rīgūmūne shēmē yinā, yōvāshī kīvare, mēvāshī kīvare sūwa na, yāng shā tāyā mērē chī. Yumi jīngu tīnsīs. Tūsī shā yīndu zāni, kāntā kīyā wātā nāyā wātā kāpā sādi, tātū zāni kio nīyā mūtukā. Mātā māshirā māni, chākbē wātā yīyā sābchirī, chākbē wātā yīyā tīkī chāvā chīyā, dīshāng rā sūn yārī tā, mōnī yī mē shindu, kēni, lē dā tīvū, tēmā kā māsā wātā, dī māsā, mē shūng wātā, dī mē shūng sī sūng tūvā. Kāntā bē, tēngi mēne yīyā chī, tēnā mē bāchī mā tā chē. Tēngi mēne mē bā chī lō, kēng rā tēnē nā sō yō tēngi shī, wō kēng wā yē tsī, nyā yō mā rē. Kāntā chī bē kē chā chī yō tēngi tī tī, yō nī yō rē, pēn rī tī yō rē. Tā yō tā kā rē sō rā, tēngi mēne yō bā mā sō yī ndē, tā mīng kā wā ngī yō bā mā tō, kā kē rō sō mē tō bā. Chā sā mīng kā wā ngī yō sā. Ti shi shi ki shung nang lo la ming zang, da zang, se sung xia fong, ta di gang zhu ting yo le. Si zang wa ting zhi yin di, chue tam zhi lo, kanda pi ge, ge wa me, ne wa me, ka wa me, ka chi me yin di zan ne, sen ting zhu xia fong ma le zi. O di sung le. Rang sen sen ne ma ki wo dong wen di rang xie nong si. O da di ge, kanda chue tam zhi, ta wo ni zhu yo ma le zi, ta, Shishinki doi kumbwa chiji maroba di ta duksu shiawe, ta di kumbwa dawa le. Tera ya nangsi ki lobyo lengden da shiwo sudo di. Ya, Kurang zi ya, taki shuya ki. Tanyi mweni yiwa shindangi yo di. Tanyi mweni yiwa naate ya ki. Tende ki tanyi mweni yiwa chik di ya le is. So ta didan di ni, Chishin chuzi tunao yumi sa tati ka tiki hori. Daga nishin ki kakshi tepo wanshi la nangda mina, digi digi ta kiawa tuyum ki hori. Tanya tu ranzi shingi digi kakshi tepo wanshi la nangda hori. Tanya tu ya ranzi mishiba digi kakshi tepo wanshi la nangyo hori. Kasa kakshi tepo wanshi la nangyo hori. Tanya tu ranzi shingi ki kakshi, rimu kakshi ka tsiyi wa yindu zane, kakshi tepo wanshi la mina wa shiya hori. Tā dīrī shīm tsāgu shīm wū kāng tōng wū tōwa. Eni dēdā, dēdā dēni cēmēn jū sū mēn rā yā rē. Rādā, bēnā pūmzi tōgā tōgā cēmā rē dē, rē dē yīni dēlē yā yīni pūmbā dīndrū nā rā dē dē chū yā rō rē yīs. Sā cēmā yī yīmā. O, dīndrī yīni sā tā yū lē yā, nāng yū, yīni shēn yū, yūk yū sēm yā, yū nā rā mōng shēk tōwa. Di qiawa yuwa re. Nang yu, zhu jik, dambar yu shi nang yu yuwa re,
대로 최대 열대 이내 거라 육유 골견 제다 거치고 골로 드시도 소원 산시 저는 내내 물로 있으나 그 상황이 샤도 그래. 나도 좀 해야 돼. 심사오 심진다 좀더 공업 심리 도르셨다 도시에 봐봐도 그러나 오늘도 와. 뒤 통서디 다녀도 안전 시험도 마시고 다 대로 투지요. 어디 이러시나? 어머니 이러시도 시청 중 단대기 전담 대봐 전담 대배 유 다음에 또 아니 무지근 대반에 송어치기 아니 선선한 대봐도 마 거에 뒤에 과야 송어리 단 뒤쪽에 단 뒤쪽에 지치지 단 뒤에 먼저 왔다 상황 되는 거래 되는 거래 단 뒤 구조上就我全部上就我身边，没过，看到我这把可是一把的马术，但今天구조上就我身边，三年中间的那个技术上把全部天然的，其实全就是不独立我的心都打开了，所以讲马上我找学校马术呢，구조上就我身边输压的，输不多啊，前年啊，身体不久。 얘는 자주 삼아 성나게 고를 잡아 잡아 남기 대대로 꾸준히 남의 전주지 쌤 몇몇 시즌 깨네 대단한 배쌤 고별도 깨고 저 인배 대실 대를 시작하고 자고서 자주 자주 우선 세한테 돈이 자주 우선 기쌤배 돈이 무슨 돈도 벌어 시작 자주 시작 쌤 쓰기 어려워 단데 유능 모다 将将送之前，当时希腊送这个，知道了，明白希腊送这个定义，有了他概念，对，才能讲呢。他人，对你不是都他那个了呀？那他那才是个什么教育？才是个什么级别？对你不是同一种，他那是个什么教育？我在这里一直在呢。嗯，他那边才是个什么？我们这里也不晓得，但是这个就是什么教育？觉得跟这伢子，他那么不跟这一辈的。 Donc ensuite vient la réfutation que fait la Madhyamika de cette troisième vue, donc le Madhyamika représentant la quatrième position philosophique. Qui va réfuter donc le Sitamatra, l'école de l'Esprit Saint, selon laquelle il considère que l'Esprit seul, c'est-à-dire celui qui est libre de toute dualité, et qui est donc et existe en façon ultime. Et donc ils accordent une vérité ultime, une existence à cet esprit non duel. Alors certainement que commencer simplement par réfuter la solidité des phénomènes en général va aider à diminuer cet attachement, cette saisie entre la qui va de la répulsion, l'attraction à la répulsion. Néanmoins, si au bout du compte on maintient la notion d'une entité qui serait cet esprit non-duel qui s'illumine lui-même comme existant de façon ultime, ça peut devenir également le support pour de nouveau engendrer attachement et répulsion. Et donc, par là même, par voie de conséquence, la souffrance au bout du compte. Et donc, ce que va dire le Madhyamika, c'est que tous les phénomènes, quels qu'ils soient, aussi bien ce qu'on appelle des phénomènes purs ou impurs, c'est-à-dire des phénomènes qui sont liés à l'ignorance ou pas, aucun d'entre eux n'a de réalité ultime, d'existence ultime. Et que l'aspect, même l'aspect le plus fondamental de l'esprit n'est pas né, il ne demeure pas à un moment donné et il ne cesse pas véritablement. Et donc de ce fait, tout ce qu'on peut dire du monde des phénomènes, certes, ils apparaissent, mais ça se limite à une simple manifestation, une simple apparition. Alors maintenant, si on voulait postuler l'existence de ces phénomènes, d'esprit y compris,
eh bien, à ce moment-là, si la conscience, par exemple, est une existence, la conscience, forcément, a à voir avec... Il faut l'examiner du point de vue des trois temps, du passé, du présent et du futur. C'est bien comme ça que se déroule cette conscience. Donc, imaginons que l'on dise, voilà, le présent, le moment de conscience présent existe en lui-même. Il y a une existence véritable. Mais ce qu'on appelle, comment est-ce que ce moment présent pourrait exister véritablement sans dépendre d'un moment passé qui a amené ce moment de conscience présent. D'autre part, si ce moment présent existait vraiment en lui-même, de certaine façon, il devrait porter en lui ces notions de passé et d'avenir. Sinon, ça serait difficile de le concevoir comme un élément de conscience. Mais à ce moment-là, ça n'a plus beaucoup de sens de dire que c'est un moment présent. Et alors, qu'est-ce qu'on appelle le moment présent? Est-ce que c'est présent ce mois-ci, cette heure-ci, un instant infinitésimal? Et de toute façon, on voit qu'un moment présent de conscience ne peut pas exister en lui-même et par lui-même. On le définit simplement en relation par rapport au moment passé et au moment qui va venir. Cela est expliqué et réfuté en grand détail dans le texte racine du Madhyamika, où on montre que ce moment présent de conscience, il ne peut pas naître de lui-même, donc ça reste sa propre cause. Il ne peut pas non plus naître, s'il existait vraiment de manière autonome, naître d'une autre cause. À ce moment-là, il serait dépendant du passé. Il ne peut pas naître non plus à la fois de lui-même et d'une autre cause. Donc, quelles que soient les possibilités que l'on envisage, il devient impossible de postuler cette existence de ce moment présent. De plus, ce moment présent qui est censé être une cause d'un résultat ou d'un effet à venir, si on examine cet effet à venir, est-il déjà d'une façon ou d'une autre présent? Dans le moment présent, s'il y est, à ce moment-là, l'avenir n'est pas différent du présent. S'il n'y est pas, il y a une disconnexion, il ne peut pas y avoir de loi de relation de cause à effet, etc. Tous ces raisonnements sont présentés en grand détail donc, dans le texte racine du Madhyamika. Alors, certes, il ne s'agit pas de nier l'existence des phénomènes ou de la conscience, mais de s'interroger, oui, ces phénomènes apparaissent, existent d'une certaine façon, mais de quelle façon? Et non pas donc de manière absolue, en tant qu'entité douée d'existence intrinsèque, mais simplement par, ce ne sont que de simples apparences, de simples désignations, de simples étiquettes que l'on attache à l'ensemble de ce qui apparaît tout en étant dénué d'existence propre. C'est ce qui est expliqué notamment en grand détail dans la Prajna Paramita, dans la perfection de la sagesse transcendante, où l'on dit que si l'on examine correctement les phénomènes, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas véritablement nés, qu'ils ne demeurent pas véritablement, et on ne peut pas dire par conséquent qu'ils cessent aussi véritablement. Et donc, c'est ça le point de vue du Madhyamika, c'est finalement que l'ensemble des phénomènes est dénué d'existence propre. Alors ensuite, il y a des différences d'interprétation parmi les grands maîtres qui ont écrit des commentaires, qui ont commenté sur le sens de cette voie du milieu, comme par exemple le protecteur d'Eten ou Shiwatsu Shantarakshita, notamment sur se demander s'ils sont tous d'accord sur la vérité ultime, l'absence d'existence de l'ensemble des phénomènes du point de vue de la vérité ultime, mais certains se demandent si sur le plan de la vérité conventionnelle, est-ce qu'on peut dire oui ou non qu'il y a une forme d'existence conventionnelle, ou alors est-ce que cette existence conventionnelle n'existe pas du tout. Donc tout ça, il y a de nombreuses discussions en détail sur ces différents sujets, et le but ultime étant en fin de compte, grâce à l'analyse et la logique, d'arriver à un mode de connaissance qui soit parfaitement valide. Alors, en essence, ce que la fin de ce premier verset nous dit donc, les choses n'ont pas de soi et en cela sont égales. Notre esprit n'est donc jamais né, donc c'est la page 10. Telle est la nature de la vacuité. Et ensuite, on annonce un extrait des tantras du Guhya Samaj qui va être commenté. Et là, nous en venons à l'explication de deux aspects de l'esprit d'éveil.
l'esprit d'éveil relatif et l'esprit d'éveil ultime. Donc la première partie, donc ce verset, dit « Comme les bienheureux Bouddhas et les grands Bodhisattvas engendrèrent l'esprit d'éveil, moi aussi, pour libérer les êtres qui n'ont pas été libérés, délivrer ceux qui ne sont pas libres, réconforter ceux qui manquent de réconfort, et faire en sorte que ceux qui n'ont pas atteint l'au-delà de la souffrance y parviennent, désormais et jusqu'au cœur de l'éveil, je vais engendrer l'esprit du grand éveil. » Ensuite vient l'explication du sens absolu de l'esprit d'éveil, de la bodhicitta, le verset suivant qui dit « Les bodhisattvas qui pratiquent selon les mantras secrets engendreront ainsi l'esprit d'éveil en tant que vœu sur le mode conventionnel. Après quoi, ils engendreront par le pouvoir de la méditation l'esprit d'éveil absolu. C'est ce dernier que je vais donc expliquer. » Donc effectivement, par le pouvoir de la méditation, il est important pour comprendre, pour intégrer le sens de cet esprit, de cet aspect absolu de l'esprit d'éveil, de se libérer de toute forme d'attachement au travers d'une pratique assidue qui va unir le shamatha et le vipassana, c'est-à-dire le calme intérieur et la vision pénétrante sur la nature ultime des choses. Et grâce à ce samadhi qui unit à la fois shamatha et vipassana, peu à peu, au fil de la pratique, on va pouvoir comprendre, réaliser la bodhicitta absolue. Oui. Tade. Donc le premier verset, qui d'ailleurs a quelques erreurs textuelles, a dit « m'étant prosterné », enfin dans le texte tibétain, « m'étant prosterné devant les glorieux protecteurs de Vajra », et là, ça me dépend que ce n'est pas un pluriel, dans le texte tibétain, il y a une erreur, qui incarne l'esprit d'éveil. Je vais expliquer la méditation sur l'esprit d'éveil qui détruit l'existence conditionnée. Et là aussi, dans le texte tibétain, il y a une erreur, on doit lire jikche et non pas jikte. Donc
다음엔 되는 로아 남자 쳐다 가서 예 남이 송 로아나 세워 코알에 줘야 간다라 아니 다음엔 이것도 송을해 간다 세워 코알 코야 돼 아니 최 이등진 다 가서 그지 다 다 가다면 니자로 그 최 지치기어래 저런 거 맞을 때 가서 이등진 가서 아주 되게 제일 당시 지도와 다대 신유 순총은 장기 다음에 또 뭐 말했어? 네, 강사가 다음에 락발했어. 나 강사가 다음에 참았네. 강사를 시주를 동안대 강사가 다음에 참았었어. 저자가 대일 동안 강사를 시주를 집에 집어대 강사가 당시 참았었어. 대대로 강사가 당시 대자 풍수 대발 집에 대진이 그때 미국 면담 봐도 진단 집어대 했어. 사실은 이르자네. 최이 당진데 코코로 코야트레스 또는 시위 때리아라 주니 당구 머리부터 시작했잖아요 아니 간단치 시원히 저코는 일을 못 배 아니 머리부터 뒤시아이 비하리 와 저들이 이르잖아요 너 다 아들이 시위 직시 타기 시에서 소시할 때기 시위 코와 직시하기 어디 있니? 가시고 그게 갖다 쳐지다니 갖다 쳐지다니 가서 우리 그게 차시 차와 또 쳐지다니 참 맞다나 아니 가사가 다음에 또 말해서 가사가 다음에 쳐지다니 참은 갈래 있는 최신맨 잘 봐서 아니 그게 가시 동로 뒤집어래 지수도와 저런 것들 다 우물을 심주지 차지, 더 심주 차지, 때는 세워야 돼. 자, 드린 일산에, 진주기 실을리고, 야구 시발을 우면 심주기 장도 도와. 저주시수스, 남주 심주수 나라, 저주시수, 우마 자아시로. 아니, 주과, 대다 탄지, 우마 주과. 아니, 자아시로, 그치, 샤고, 쇠디, 우마 심지어 쇠디. 어제 전주시 숨신 숨샤들이 쉬우지 캐시 오르셔라 로저치야 뒤를 당하시지 왜 캐바치야하게 그저께 말해 승유기 뇨모는 갑자기 하던데 인심이 죽고도 와 나 뇨모 맥을 뚫지스 아니 뇨모 맥을 지질 없이 내비시면 뇨모 맥을 쳐놓고 그 뇨모기 지지 시험을 넣으시 맥을 지기 와 그 간단지 안도 자신다 자신하래 남들나리야 참소 몽다 개미 치도 이거 살펴보지 참방 공부도 인식 공부도 사실 저기 아니 몽보다 진단 개발과 누구 민도 진짜 이르산에 예를서 덴진을 태어나는 좀 말했지 저자가 대신도 다음에 다워를 찾았네. 덴징 참 진단 당황객이 다음에 참도 가지 마도 다음에 라고도 왜 들었는 줄 말아 말해 실제 속도 말 사실이 전주 시수 다야 되는 시로지 계속 오르시나 et donc maintenant nous en venons à l'explication de commençons l'explication de la vue de la voie médiane avec les premiers versets les A, qui sont numérotés 1 et 2 ici sur le texte donc le deuxième dit pour les Bouddhas l'esprit d'éveil n'est pas obscurci par les pensées intellectuelles comme le sol, comme le soi et les agrégats et il faut l'esprit imprégné de compassion méditer avec diligence sur cet esprit d'éveil les compatissants en Bouddha méditent constamment dessus alors afin de se libérer de la souffrance et de libérer tous les êtres de la souffrance il est nécessaire d'aller à la racine même de l'attachement à la solidité des choses écoute Air condition there, then please, city, increase.
Otherwise, I think the subject is also quite hard, difficult. And on top of that, very hot. Donc, si jamais il y a un système de rafraîchissement, d'air conditionné, est-ce qu'on peut le mettre un peu plus fort? Parce qu'en plus, non, d'être assis là pendant longtemps, si en plus il fait chaud, c'est pas facile. Donc, pour revenir au texte, il est indispensable donc, de se libérer de cet attachement à l'identité ou à l'existence des phénomènes. Il y a deux voiles qui nous empêchent de faire cela. Le premier est le voile qui est lié, ou les obscurcissements qui sont liés aux kleshas, c'est-à-dire les facteurs mentaux perturbateurs et obscurcissants. Et puis il y a un voile qui masque le connaissable, c'est-à-dire qui n'est pas d'ordre des événements mentaux, des émotions, mais plutôt de la façon dont nous percevons les phénomènes. Et donc, en se débarrassant, on peut se débarrasser des facteurs mentaux perturbateurs en éliminant l'attachement à l'individu, au soi individuel. Mais est-ce que cela suffit pour nous libérer véritablement du samsara? En fait, selon l'interprétation ici présentée, tant qu'on continue non seulement à s'attacher à l'identité d'un individu, mais aussi à l'existence des agrégats sur lesquels repose la notion d'individu, c'est-à-dire l'ensemble des phénomènes, eh bien on ne saurait être finalement libre du samsara, ou du monde conditionné par la souffrance, car il y a toujours une forme d'attachement qui va se traduire par une forme de souffrance et qui relève de ce voile lié à la façon dont nous connaissons ou nous méconnaissons la nature des phénomènes. Et donc il ne suffit pas pour se libérer du samsara de simplement de se libérer de l'aspect le plus grossier de notre attachement au moi ou à l'individu. Il faut aller au niveau le plus subtil et se libérer d'attachement à tous les dharmas, c'est-à-dire tous les phénomènes qui constituent les agrégats et qui sont le support de la notion d'un individu. Et donc cela est nécessaire d'arriver même à se débarrasser des aspects le plus subtils de ces attachements. Et cela est expliqué dans un certain nombre de textes fondamentaux. Par exemple, si l'on étudie le 9e chapitre du Bodhicharyavatara, l'entrée sur la voie des Bodhisattvas, qui traite de la perfection transcendante, on aura une bonne connaissance de la vue du Madhyamika. Et parmi les 13 grands traités de l'Inde sur ces sujets, on considère que 3 d'entre eux sont les textes les plus fondateurs ou les textes racines de l'ensemble de ces textes. Le premier étant le texte racine du Madhyamika, donc de Nagarjuna, l'entrée sur la voie du milieu de Chandrakirti et les 400 versets d'Aryadeva. Donc ces 3 textes, il serait extrêmement utile de les étudier, car c'est par la compréhension que l'on peut se débarrasser des kleshas, donc de ces facteurs mentaux perturbateurs, et pas simplement, ils ne vont pas disparaître d'eux-mêmes et ils ne disparaîtront pas non plus par une simple bénédiction. De plus, comme il est dit dans les textes du commentaire sur la logique, certes, et il est une pratique extrêmement puissante que de méditer sur l'amour et la compassion, mais aussi important cette méditation, ces pratiques soient-elles, elles ne vont pas servir directement d'antidote à l'attachement fondamental à la solidité des phénomènes. Et donc, on doit nécessairement faire appel à la connaissance discriminative qui établit le non-soi. Oh, yeah. Ah, sur le Shiva Tene, sur le Kubudu, le motif de Vakayatri, Et l'homme, quoi?
j'ai pas des mal de croire. Et donc, par la suite, du verset 4, 5, 6, 7, 8, 9, ils expliquent les vues des tirtikas, c'est-à-dire les vues de l'hindouisme, dont le bouddhisme se distingue, et nous allons pas les envisager en détail. Oui. Ah, je suis en train de dire, hein? 공부감도 뜻이 사사다 되기 얘는 저거 되니 저거 과연 Donc nous reprenons au verset 10 qui en fait est une élaboration de la réfutation des agrégats et des sources de perception. Et donc, dans ce chapitre 10, qui dit « Ce monde est mis de soi, s'écroule par intelligence, comprend les agrégats, les domaines et les sources, ainsi que les concepts de sujets et d'objets. » Donc, ceux qui veulent faire le bien des autres ont enseigné aux auditeurs l'existence des cinq agrégats, forme, sensation, représentation, facteur de composition et conscience. Ensuite, à partir du verset 12, le Bouddha dit que, à l'intention des bodhisattvas qui ont une compréhension plus profonde, il compare les agrégats à différents exemples. Comparable à l'écume sur la mer, les sensations, les formes à l'écume sur la mer, les sensations aux bulles à la surface de l'eau, les représentations au mirage, les facteurs de composition au bananier qui est vide à l'intérieur, et la conscience à une illusion magique. Donc pour indiquer leur absence d'existence propre. Non, des...
zaoshiru shoshu kora kaki tenshi nigo kapo mego, tenshi nigo, cheba mego, tam mego, ome o tong shesho suni ene, tanya do genga jiktade ene, cheba da tango sato che, yore yore di, ini genga ala soko yodere duje tenjongi che di shi sutube genga yome zayona kene yama res kare sona shis dugo sudu ko ramene yote bichi feshi duwa da nangzo te mo himbe ko ramene yote bichi te sa da ba yena ene molo te ne nyambe se be kyaka ni sa da o mare o sa te ni ka o yo ene gyul te ne chada ni da ba da chada gyun gi da ba gyun se be chada gyul te ne chada ni 我们就说的，我们有了对呢，中年，哎呢，啊，我们，嗯，当时对呢，警察队，哦，对，他也是有了，他也是有了，就第一的，农村队没怎么跑，现在这里是不呢？早上也有嘛的，就这一队，搞不明白，我瞧我的，我们就他就这半年是是什么多啊？就是我这一队，我这的每天。 要的，数字所谓要的，因为第一把，啊，再那什么呢？当然你还要买的，但这是不多啊，对不对？数字往心里去，你说他怎么的？他的那么，甚至不对吧？高压的还是做很多生意，他的呢，对。 小罗哥，你输吧，你输走起。他什么什么多少嘛？你要钱。宋镇准备我也，小罗哥，你输走起。小罗哥，你输走起。那这个都是，你这都输掉是不是？可是第一呢，你是做你不的，你是做你不的，宋镇准备我也，那么些那我干一把，那么些男人他这边，那么些男人他这边，其实锻炼干也没，甚至不多钱要的，可能退休下来了，看他自己落地，那么些小事嘛，到，可能其余余地，那么带眼去，其实要嘛的是，这些要的。 Donc maintenant, nous passons au verset 17 qui dit « Un atome de matière ne peut pas produire de conscience sensorielle puisqu'il se situe au-delà des facultés des sens. S'il la produit du fait qu'elle se rencontre, c'est bien cette rencontre qui restera à prouver. » Et donc, bien sûr, il ne s'agit pas de nier l'apparence, la manifestation des phénomènes tels qu'ils nous apparaissent, ainsi que du phénomène de conscience, mais d'examiner, bien qu'ils apparaissent, existent-ils de manière ultime. Et pour cela, par exemple, nous avons vu qu'il est... Nous pouvons envisager des particules indivisibles, parce que s'ils n'avaient pas de dimension, elles ne pourraient pas s'agréger pour produire la matière. Et de la même façon, si l'on peut envisager une façon dont la conscience sensorielle pourrait naître de façon, sur le plan grossier de substances matérielles, mais si l'on va au niveau le plus subtil, des particules indivisibles, il est inconcevable qu'une telle particule puisse donner naissance à un moment particulier de conscience. Et donc, certes, les choses fonctionnent, les phénomènes extérieurs fonctionnent, la conscience a un certain pouvoir d'agir sur le plan conventionnel, mais à partir du moment où on l'examine plus en profondeur, eh bien, on s'aperçoit qu'elle est au-delà de toutes les possibilités ou des élaborations conceptuelles qu'on pourrait lui attribuer.
En effet, cette conscience n'est pas véritable, enfin, ces éléments ne sont pas véritablement nés, ils ne sont pas non plus, de ce fait, ils ne cessent pas non plus, on ne peut pas dire qu'ils vont quelque part, on ne peut pas dire qu'ils viennent de quelque part. On ne peut pas dire, bien que la multiplicité des phénomènes apparaissent, qu'ils soient vraiment séparés et multiples, ni qu'ils ne sont un. Et donc tous ces concepts d'élaboration disparaissent et éliminent aussi les deux extrêmes dans lesquels on pourrait tomber, celui d'une vue réaliste ou éternaliste et celui d'une vue nihiliste. Donc les choses apparaissent effectivement, mais lorsqu'elles apparaissent, c'est une simple apparence. Et donc, il n'y a rien en elle qui révèle quelque chose d'une existence intrinsèque. Alors maintenant, pour ce qui est de la position des tenants de l'esprit seul, on en vient au verset 22, qui dit « Dans les représentations de la conscience, régie par la dualité du sujet et de l'objet, il n'y a pas le moindre objet extérieur qui serait différent de la conscience. » Donc, la position de cette troisième des quatre écoles principales du bouddhisme nie donc entièrement l'existence, le fait que les phénomènes extérieurs seraient doués d'existence propre, mais qu'ils se produisent au sein de cette conscience. Oui, tandine, sholokotinda, shibishiru. Maintenant, nous passons au verset 46. Donc là, on va réfuter cette vue de l'esprit seul et établir la vue de la voie médiane, donc du Madhyamika. Sometimes,
아니 돈이 때나 벌어 내가 올라 돈이 매가로 내가 소인스 돈이 꺼면 내가 올라 마인가지 아니 저처럼 사디 상다한테 나라미 남고다 하고 그래 저디디 진짜 내가 또 상다가다 직 막 직타인에 전에 디 슝가르나네 셰도 와 슝디 고어 된디 룩카르도 와 좀더 가르도 와 디디 샤마 그게 셰버 전에 애니 직디 고어네 마도 직직 잡아다 앞에나 담이 살 직직 태어서나 다디 베디 가다베 슝디 고어도 만들 전에 애니 러베이나 그 초야가 이거 샤워 담에도 동반이 러베이나 그래서 모든 것들이 이게 동반이 있어야 돼. 드디어 여기까지 시작한 거야. 아들 게임 모습치기, 아들 뒤지어, 이슈, 제가 야구 쉬우지요. 아니, 다른 공사 상수. 그다음에, 아니, 고등학교 제대로 해야 돼. 자, 이제 공기에, 아니, 다 배워서야지. 거짓을 해야 돼. 군주 꺼야 돼. 군주 꺼야 잠시 마도 소수 때, 라온을 지금 다 영화를 드디어 그런 게야 다음으로 거지 되기도 와 시작적으로 돼 뒤 잡아서도 루지 좀 해야 돼 아니 그럼 이슈 아니 그럼 무슨 일을 내지 아니 소년도 기술도 없죠 아니 지금 디스도 나 선생님 쉬우지 롤이야 숙성을 쓸래 이랬잖아 뒤바 시도 가져오래 했어 아 네 그래서 significance 게 매력이 있기 때문에 초중 처음 처음으로 봤어. 뒤에서 나는 지금 아주 인상적으로 뒤에 쇼츠를 보태야 여러 가르다스. 이제 내 레벨업이요. 제가 아들 게 쇼츠 되기 어디 동거스야 지기 다스야 돼. 지금 그거 꽤 다 소수 들으신 마도 소수 때에 지 랑겨로 지기 매력이 지 거는 것도 와. 상당도 와서 저기. 저들이 이제 전에 아들 또 동거도 Donc maintenant nous passons au verset. Donc nous passons maintenant au verset 46 et 47. Le verset 46 dit donc « Sans caractéristique et sans naissance, ils n'existent pas et aucun langage ne peut les décrire. L'esprit d'éveil et l'éveil ont le même caractère que l'espace. » Donc ici, l'on décrit le point de vue ultime selon le Madhyamika. Et pourquoi comparer cette vérité ultime, la réalisation de la vacuité, à l'espace ? Finalement, qu'est-ce que c'est que l'espace ? C'est
veux dire par défaut, ce qui permet aux autres phénomènes de se déployer. Donc ça donne la possibilité à la manifestation d'apparaître. Mais l'espace lui-même, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une entité. De la même façon, quand on parle de la vacuité d'existence, de la vacuité, des phénomènes, ça veut dire qu'on nie l'existence, la réalité intrinsèque des phénomènes, mais ce n'est pas la vacuité, ce n'est pas pour postuler quelque chose d'autre qui serait la vacuité et qui existerait par elle-même. La vacuité, c'est simplement le concept qui permet de nier l'existence propre des phénomènes. Et donc, ça ne laisse la possibilité à rien d'autre d'exister en tant qu'entité. Alors, il y a deux façons, effectivement, de comprendre cette vacuité comme une simple négation, ceci n'est pas, ou cette chose n'existe pas, c'est une simple négation, ou une négation qu'on pourrait appeler ouverte, qui ce serait ceci n'est pas, mais ça pourrait être autre chose. Par exemple, si je dis il n'y a pas d'éléphant, eh bien, il n'y a pas d'éléphant dans cette pièce, c'est une simple négation du fait qu'il pourrait y avoir un éléphant dans cette salle. Et si je dis ceci n'est pas un éléphant, ça nie le fait que c'est un éléphant, mais ça laisse la place pour que ça soit autre chose. Donc, en ce qui concerne la compréhension de la vacuité, ça doit bien être compris comme une simple négation de l'existence ultime des phénomènes. Mais maintenant, si l'on en vient à l'aspect de la pratique spirituelle, notamment la pratique des mantras, du véhicule du mantrayana, comme l'explique le troisième Drukpa Chen Trenpa Nyima de façon extrêmement claire, il dit quand il s'agit d'établir avec certitude la nature de la vacuité, on va se contenter de la compréhension de la vacuité comme une simple négation des phénomènes. Mais quand on va s'engager dans la pratique qui vise à actualiser la nature de l'esprit, la nature de Bouddha, on va plutôt considérer la vacuité comme la négation de la réalité des phénomènes qui laisse la place à cet autre concept. Quoi qu'il en soit, il est donc essentiel, lorsqu'on étudie un texte, et quand on parle du non-soi, de shunyata, de la vacuité, de comprendre dans quelle tradition et à quel niveau se place ce texte, sinon ça peut engendrer une grande confusion. Et également, certains textes des Tirthikas, de la philosophie hindoue, parlent d'une certaine forme de vacuité, mais il ne s'agit pas de la même chose. Et par exemple, si l'on prend l'exemple du non-soi, comment pourrait-on envisager ça, par exemple, dans une autre tradition, comme dans la chrétienté? Moi-même, j'avais un ami proche, qui était un moine chrétien, que je voyais souvent, il n'est plus de ce monde, et... Donc, nous envisagions...